Instagram, dans la langue créole haïtienne, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité à concernant le pays d'Haïti, négociations politiques avec présence émissaire CARICOM toujours dans impasse. Dans l'international, la guerre Israël-Hamas, deux principales hôpitaux de Gaza dans blackout, Timoun et Grandmoun ont mouru et maladie en difficulté. États-Unis apparaît pour le recevoir pour la première fois depuis 2011, Forum coopération économique Asie-Pacifique, la APEC, avec présence président chinois Xi Jinping qui vient pour rencontrer président Joe Biden dans San Francisco. Bonjour, bonsoir à tout le monde, dépendamment de nan ki lè et ki kote wap gade étendé édition journal ça. Déjà m'abdou bienvenue côté ken pral partager ensemble avec vous quelques informations k'ap domine actualité a aujourd'hui. Nous pa pou remonter mais si vous abonnez avec channel la kounya même jan ki wap gade sou écran, nous garanti n'ap toujours kembe ou pou capable rete informé de tout ça k'ap passé en Haïti ou à l'étranger. Donc abonnez-vous pour capable toujours au courant à chaque fois que nous venons avec une nouvelle vidéo sur le channel là. Donc on est pressé, c'est peut-être ça, on va entrer directement dans la nouvelle nous pour aujourd'hui. Et après, on va tourner pour le reste des détails. Et nouvelle là, partie comme ça. Et oui, c'est point ça yo avec l'autre corps nous pour le développer pour un rendez-vous info aujourd'hui, c'est lundi 13 novembre 2023. Actualité à mener nous dans la région Moyen-Orient, côté guerre Israël-Hamas là a continué à détérioration situation habitat dans Gaza côté en pile l'hôpital pas fonctionné parmi eux, puis gros l'hôpital dans enclave là Al-Shifa dans Nord Gaza. Gentil Augustin Junior gain détail. Dans l'hôpital Al-Shifa Gaza, docteur yo obligé retirer petit bébé qui fait fête qui était dans couvez yo. Après une panne courant à cause la guerre entre Hamas et Israël. Des petits bébés qui font fête sont morts parce que l'incubateur n'a pas de travail, parce que pas de courant. Nous avons un patient grand monde dans soins intensifs, qui est mort parce que le ventilateur a été suspendu de fonctionner à cause de pas de courant. Nous avons la fumée allant tout l'hôpital. Les Israéliens ont frappé tout le bagage allant tout l'hôpital là. Et puis, ils ont frappé l'hôpital là plusieurs fois. Nous presque certains, nous pour compte nous connaissons ya. Personne pas qu'attendre nous. Nous voulons que les gens nous garantissent que nous pouvons évacuer les patients. Dans un appel téléphone Médecins sans frontières qui a enregistré samedi 11 novembre, le chirurgien MSF Mohamed Robert te dit, docteur dans l'hôpital, là, senti yo pour compte yo. L'armée israélienne te dit qu'elle était parée pour évacuer les bébés dans l'hôpital Gaza dimanche 12 novembre. Nan. Mais l'autorité palestinienne te dit que les gens qui sont dans l'hôpital sont toujours bloqués, avec des bébés qui fait mourir. Et puis, plusieurs dizaines risquées à cause d'un panne courant en mi-temps bataille intense qui tout près. Chirurgien MSF dans l'hôpital Al-Shifa, docteur Mohamed Robert Teddy. Nous avons environ 600 patients éternés à l'hôpital là qui besoin de soins médicaux et puis qui besoin d'évacuer. Problème non, c'est assurer que nous ca évacuer ti bébé qui fait fête parce que nous avons environ 37 à 40 ti bébé qui fait fête. Ti bébé qui fait prématuré. Nous avons environ 17 autres patients dans soins intensifs avec environ 600 patients qui étaient entrés après opération qui besoin de soins médicaux. Situation grave en pile. Nous besoin d'aide. Al-Shifa avec l'autre hôpital dans Nord Gaza, centre la guerre peuple Israël là qui dirait plus passé un mois, t'es à peine capable de prendre soin patient yo. Chaque jour, plus moun a blessé dans bombardement violent israélien yo. En dedans pi gros l'hôpital Al-Shifa, porte-parole ministère santé Gaza, Ashraf Al-Kidra, te di journal Reuters, di fait israélien yan pas frappé directement dans jou sa yo. Mais li te théorisé officiel médical yo ak civil yo. The staff of the porte-parole en chef militaire Israël là, amiral Daniel Agari, te di samedi que militaire israélien yan te aidé évacuer ti bébé yo dans l'hôpital là sous demande employé yo. Al-Kidra te di que te gen 45 ti bébé en total et de te déjà mouri. Gentil Augustin Junior, Washington, pour VOA Creole. Merci, merci, gentil Augustin Junior. D'après le ministère de la Santé publique dans Gaza, que Hamas a dirigé, il y a plus de 11 000 personnes qui ont déjà perdu la vie depuis la guerre a été éclatée dans la date 7 octobre passé. Nous parlons dans le pays d'Haïti pour nous parler politique pour gagner une grosse avancée qui fait dans la discussion politique qui t'emmène depuis le week-end en présence émissaire CARICOM qui a joué le rôle de médiation. Opposition politique là, lui-même lui exige démission Premier ministre Ariel Henry alors que le représentant signataire 21 décembre n'a pas négocié démission PM. Un reportage Yves Manuel.
émissaire CARICOM yo en visite dans pays d'Haïti depuis mercredi 8 novembre pour tenter mettre un bout à crise politique et puis insécurité qui a plongé pays d'Haïti. Yo multiplié diverses rencontres avec acteurs politiques et puis s'il a aucune dans société civile dans l'idée pour trouver une entente pour sortir pays de situation ça. Malgré rumeurs yon possible avancé, parti dans opposition yo campé sous position yo côté yo réclamé démission premier ministre Ariel Henry avec mise en place yon exécutif à deux têtes. Bon côté payo, acteurs dans pouvoir espéraient entente, mais yo pas prêt pour négocier démission premier ministre là. Yo proposé plutôt yon élargissement au conseil transition avec yon changement dans mitan gouvernement pour parler yo reprendre journée lundi dans l'espoir pour trouver yon accord. Si pas gen aucun accord qui trouvé, ancien premier ministre jamaïcain annoncé c'est à dernière visite dans pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Créole. Donc, nous suivons le déroulement et la négociation. Et demain, dans l'autre édition, nous avons l'autre détail. Nouveau développement, si bien. Pendant ce temps, président Accor Montana, économiste Fritz Alphonse Jean, dans un rassemblement signataire Accor 30 août 2021, dénoncé la situation lamentable pays à côté à Fritz Alphonse Jean. Avec la peine, nous qui fait route à une porte de presse. Nous qui fait route à une porte de capable. N'a pas gardé ligne mélangée, jeune garçon avec jeune femme, à courir des pays, ou à Nicaragua, puis au Mexique, à traverser le Mexique, puis à tomber aux États-Unis. Des fois. Dans la vidéo, à continuer, n'a pas de pour abonner avec le channel là, j'en qui va garder le sur écran. Ça a fait nous un pile plaisir. Et partager aussi avec quelques monde. Ça a fait nous plus plaisir toujours. Les que vous partagez vidéo nous ensemble avec plus en famille, plus en amis. On continue. Je dormis. À une porte. Nous qui avons fait calcul depuis que cause de Nicaragua a commencé, nous calculons qu'il y a 91 millions de dollars que nous avons été dépensés de Nicaragua sur le courrier ou Nicaragua. C'est avec la peine que nous avons regardé sur les réseaux sociaux. Crimes que nous continuons à faire sur tout petit pays. Nous voler, nous violer les gens, nous violer les gens, nous douiller les gens. Le boulet moun et au fin à pourri malheureux malheureuse pas pour y quitter pays et qui va appeler le pays à cause de vos équipes n'a plus de gobabon. C'est en catimini l'école a fonctionné. Moun qui dit yo responsable pays pas fouti nourrir l'école, pas fouti retirer la population dans tout le pays et yo mette dans le jour. C'est ça qui fait nous saisir. Mais nous avons dit, Madame qui est responsable, Madame Salvador, il dit, même les gens qui mettent le pays dans la situation, ça, même les gens qui ne peuvent pas ouvrir l'école, même les gens qui ne peuvent pas protéger la population, même les gens qui n'ont pas assisté à kidnapping dans le pays, qui n'ont pas assisté à écraser les gens dans le pays, c'est les gens qui font l'élection. Économiste Fritz Alphonse Jean qui est président élu à Accor Montana tandis que vraiment vrai Maria Isabelle Salvador qui est représentant secrétaire général des Nations Unies en Haïti et chef BINU, il te dit que yon transition pas qu'à remplacer yon transition. N'après t'es toujours dans l'actualité politique dans le pays d'Haïti, yon groupe leader dans la société civile haïtienne plaide en faveur soutien international pour renforcer force l'armée d'Haïti pour établir l'ordre et sécurité dans le pays. Yon reportage Renan Toussaint, il trouve dans Port-au-Prince. Plusieurs personnalités dans la société civile haïtienne, parmi eux, Jaoubé Argan, qui est coordonnateur général collectif 4 décembre, Père Gadi Maisonneuve, directeur exécutif, Sotka Lévesque, et Ashley Larac, président de l'association anciens militaires haïtiens, qui dénonçait phénomène d'insécurité et kidnapping, manque de volonté et problème de bord, qui a fait bon côté instance concernée et communauté internationale pendant 10 bandits venus plus violents. Ashley Larac dit l'armée d'Haïti a rétabli l'ordre et sécurité dans le pays si il a joint 225 millions de dollars américains pays Kenya exigé avant pour envoyer troupes dans la mission multinationale soutien à sécurité. Nous sommes capables nous-mêmes, avec même comme ça, construire l'armée avec rapidement là, on fait une monde là-dedans. Nous avons 1500 millions de dollars dans le pays d'Haïti. Donc, 225 millions de dollars, ça, nous avons bien 5 000 personnes très très rapide. Bon côté parle, Jean-Aubert Argan, qui est leader collectif 4 décembre, croit que jeunes garçons et jeunes femmes en Haïti doivent lever camper pour exiger mise en place une force armée diable, solide contre banditisme en Haïti. C'est eux qui pour courir
l'armée qui pour courir et qui pour imposer présence l'armée d'Haïti pour résoudre problème non pour nous. Pendant ce temps, Père Jean-Gardi Maisonneuve, quoi tout, leadership politique là doit changer à partir 7 février 2024 pour capable régulariser situation dans le pays. C'est pour population haïtienne de camper comme un seul homme pour exiger solution, c'est l'armée d'Haïti. Et pour exiger le 7 février que moun ki la yo déplacé d'une bon entente nationale qui fait pour nous l'autre bout pour retirer moi-même pour retirer nous côté nous moi-même pas là aucun accord ni encore x y ni encore à gauche à droite faire pas ça il faut que pour bon green moun pour bon groupe moun qui mettait d'accord pour Haïti pas arriver côté là. Toutefois ensemble leader ça yo plaider en faveur yon haut état major de crise qui t'a dû constituer ak yon représentant l'armée d'Haïti PNH ak toi représentant dans la société civile haïtienne pour capable réfléchir et puis bailler directives nécessaires pour résoudre le problème de gangsterisation ça dans le pays d'Haïti. Ou en tout ça, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Vous sous VOA Creole, nous avons mis depuis Washington DC. Actualité concernant les États-Unis, leader pays Asie-Pacifique ont voyagé pour entrer aux États-Unis pendant le week-end pour assister à rencontre au sommet à Pekla. Sandra Lemaire, les détails. Chef d'État à 21 pays dans la région océan Pacifique a voyagé San Francisco semaine ça pour assister à rencontre au sommet coopération économique Asie-Pacifique là ou APEC. C'est la première fois depuis 2011 États-Unis. Pendant la vidéo a continué n'a demandé pour abonner avec channel là gens qui va regarder les sur écran. Ça fait nous un pile plaisir et partager aussi by quelques monde. Ça fait plus plaisir toujours les que partager vidéo nous ensemble avec yon famille, yon ami. On continue. Les États-Unis a organisé rencontre là. Leader yo pour rassembler pour discuter sur qui gens pour augmenter commerce, investissement à croissance économique région. Mais événement plus important, c'est capable rencontre président Joe Biden qui a pour faire avec président de la Chine Xi Jinping. Scott Kennedy, un expert sur la Chine qui travaille pour centre études et stratégiques avec international l'a dit, sommet a gain importance li tout. Particularly with this meeting, we should see progress on a variety of efforts to facilitate trade throughout the region, to address issues of climate change, finance, the region, faire face à changement climatique, financement, à plusieurs autres questions encore. Donc peut-être sujet ça yo pas occupé grand titre, même genre avec rencontre Xi Jinping avec Biden. Mais en termes de influence générale, les États-Unis n'ont formé un monde qui conformé avec intérêts économiques, politiques, à principe nous yo rencontre APEC là. En pile importance. Anissa, conférence lab déroulée dans le moment côté relation la Chine avec États-Unis refroidit en pile pendant que le conflit Israël-Hamas là avec Ukraine la Russie causé turbulence dans le monde là. Cependant, forum n'a pas tellement misé sur crise internationale, il centré plutôt sur commerce et économie. La Maison Blanche dit objectif li pour sommet c'est rendre économie à Pekio plus résilient surtout dans le moment côté changement climatique causé en pile défi et puis pandémie globale là ralenti livraison produits. Sommet a by président Biden opportunité tout pour corriger relationner avec pays Asie-Pacifique et clairer lumière sur nouveau accord commercial Indo-Pacifique là. One of the most important things about effective diplomacy in the diplomatie efficace dans la région Asie-Pacifique là. C'est simplement répondre présent. Il était difficile pour président Biden de voyager en Asie autant que lui permet. Et parfois, tout à l'heure, on est déçu parce qu'il a compté sur les États-Unis pour leadership. Donc, pour prendre ça, a déroulé dans San Francisco. Il n'y a aucun prétexte pour ne pas présent. Et fois ça, l'administration a mis en pile effort dans l'encontre là. Donc, il y a en pile bagaille qu'il faut essayer. Accompli. Vraiment vrai, en pile moun a obtenu rencontre face à face Biden pour le faire avec Chia. De leader n'a pas parlé en personne depuis le mois de novembre l'année passée, sous ma rencontre au sommet G20 dans Bali, Indonésie, qui en pile bagaille qui passait après ça pour augmenter la tension entre deux grandes puissances. Malgré personne pas attendre à ce que y ait un gros progrès pendant la rencontre, l'analyste dit le principal objectif là, c'est réaffirmer l'engagement États-Unis vis-à-vis de la stabilisation relationnelle avec la Chine. Of pressure behind the scenes on Putin.
Il dit est-ce que la Chine a mis pression derrière pour faire sur Poutine pour faire réaliser que l'Ukraine est obligée de négocier la paix qui est acceptable pour le peuple ukrainien? Est-ce que la Chine a mis pression sur l'Iran ou bien Hamas pour aller Koyo et puis où est-ce qu'il y a joué un moyen pour restabiliser la situation en Moyen-Orient? Quel divers aspects, mais c'est ça qui est diplomatie à haut niveau. Donc il y a une possibilité pour échec, mais si vous ne pouvez pas aller définitivement, vous ne pouvez pas faire progrès. If you don't talk, you definitely won't make progress. Rencontre au sommet avec la tombe samedi 11 novembre et l'école finit 17 novembre. Ministère Affaires étrangères de la Chine dit Xi va assister rencontre avec la entre mardi 14 novembre et 17 novembre sous invitation Biden et que l'école participer à la rencontre au sommet avec États-Unis. Sandra Lemaire, VOA Créole. N'après toujours ici aux États-Unis, FBI saisit téléphone à iPad magistrat ville New York là Eric Adams dans cadre enquête cap mené sur origine l'agent campagne magistrat Valérie Saint-Louis. FBI a été fait une descente des lieux car Moon qui responsable ramasser l'argent fundraising pour magistrat ville New York là Eric Adams. Action ça fait partie de une enquête cap mené pour déterminer si campagne magistrat Adams ça en 2021 a fait complot avec une compagnie real estate et qui fait construction qui basée dans Brooklyn pour déposer l'argent étranger dans caisse campagne là d'après ça plusieurs officiels la police fait connait. Officiel la police qui habitué à agent de mandat ça qui autorisé pour débarquer Kaimoun pour faire recherche fait connait que investigateur FBI yo a cherché preuve qui t'a montré que citoyen étranger qui pas gain droit bail contribution dans campagne électorale t'est arrivé camoufler donation yo à travers membre communauté turque américaine dans New York. Yo t'est arrivé fait citoyen américain qui gain origine turque passer comme contributeur campagne là. C'est comme ça agent FBI yo t'est fouillé Kai Brianna Soggs dans Brooklyn. Semaine passée les agents fédéraux t'est débarqué Kai Brianna Soggs qui c'est depuis longtemps yo confident pour magistrat ville New York là et chef responsable ramasser l'argent donation Eric Adams t'est abandonné bride sous coup une réunion qui était planifiée dans Maison Blanche pour prendre avion retourner la Kaili sorti Washington. Le porte-parole magistrat Adams t'est dit dans un email et n'a cité magistrat t'est tenté parler de nos problèmes qui gagne rapport à campagne et puis il t'est prend problème ça au sérieux qui donc il t'est voulu retourner New York plus vite que possible et il t'est ajouté que magistrat pas gagne rien pour reprocher tête lui que le fait qui illégal. Mais voilà que pendant semaine passée agent FBI yo c'est pendant vidéo a continuer n'a mandou pour abonner avec channel là j'ai qui va garder les écran ça fait nous un pile plaisir et partager aussi by quelques monde ça fait plus plaisir toujours les que partager vidéo nous ensemble avec yon famille yon ami on continue. Cette fois-ci, tu as saisi téléphone avec un iPad dans le même magistrat ville New York, là, Eric Adams, dans le cadre même enquête ça qui a mené sous campagne pour l'argent que tu as ramassé illégalement. Avocat magistrat Boy Johnson a confirmé l'information ça dans une déclaration que tu as fait et n'a cité. FBI a été approché magistrat après un événement côté que tu as participé. Magistrat a immédiatement respecté demande FBI là et puis tu as remis ton appareil électronique lié. Déclaration a continué pour dire magistrat n'a pas accusé de aucune mauvaise action et il a continué à collaborer avec l'enquête FBI là. Magistrat démocrate là, Eric Adams s'est fait déclaration tout pour le dire et n'a pas cité. En tant qu'ancien membre de la police, moi attendre pour tout membre staff moi suivre la loi et puis collaborer totalement avec n'importe qualité investigation. Et moi pas continuer faire exactement ça. Moi pas gain rien pour me cacher. Fin de citation. Quelques temps après, autorité a été remettre magistrat appareil électronique lié. Ni Eric Adams ni Brianna Soggs pas accusé publiquement. Bon, au départ, le porte-parole FBI a été confirmé que le tribunal a autorisé action ça pour faire respecter la loi, mais il a refusé faire plus commentaire. D'après officiel, le complot a soi-disant impliqué gouvernement d'après New York Times. Complot a soi-disant permettre l'argent qui sortit dans le business étranger passer comme don à travers citoyens américains qui pas vraiment bail l'argent. Bon, au départ, Brianna Soggs n'a pas répondu de bonne pour faire aucun commentaire. Il s'est consultant campagne pour Eric Adams et sous médias sociaux, il fait connaître que lui travaille pour Eric Adams depuis l'année 2017. Il a commencé comme un stagiaire dans le bureau li, et plus information sur finance campagne fait connaître que lui a ramassé plus de 10 millions de dollars pour campagne élection magistrat Adams en 2021 et pour réélection Eric Adams comme candidat. En 2025, Brianna Soggs était aidé à ramasser plus facile 2,7 millions de dollars pour campagne Kavina. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis depuis New York. Merci Valerio Saint-Louis. Nous prenons le dans l'État Massachusetts pour nous parler de l'élection municipale avec participation de plusieurs politiciens d'origine haïtienne. Gagné qui passait, gagné qui perdu, Erlich Dorilas. 8 candidats haïtiens américains tapent coup de poste électif dans l'État Massachusetts. Parmi 8 candidats, 4 candidats ont remporté l'élection. Avocat Kirby Robinson, Arthur Almeida, t'es parlé dans le micro VOA Creole. C'est présence haïtien dans l'élection de Mathieu Settla. Pour moi, c'est reconnaissance que la communauté a réellement avancé. Parce que nous avons décidé que nous devons mettre pied au devant
pour affirmer tête comme communauté. Ça veut dire en pile. Parce que l'histoire a répété que Barry Seffer, c'était la première. Mm-hmm. Et dès après ça, il y a Linda Dossett à Floride. Et depuis l'époque, ça, qui va fonctionner avec lui, depuis le samedi d'élection. Mm-hmm. Et bah, j'aimerais ton élection pour faire campagne, volontaire, certes, pour que tout haïtien, qui soit côté au terrain. Sorti de matin, depuis nos bureaux Vokyo jusqu'à dans soin, Patizak, ses partisans, tapent les résultats élections. T'as coûté 5 capteurs de l'appui. Dans la ville Boston, dans le quartier général, conseil municipal à plage, aux illusions, cette ambiance arrosée, quand Jaouara tape des ambiances. 9h dans la soirée. Résultat élection 7 novembre 2023 dans l'État Massachusetts là, commencé à sortir. Dans Brockton, candidat haïtien américain Fred Fontaine, par arrivé mettez à terre, d'eau magistrat qui en fonction, Robert Sullivan. Service créole, la voix de l'Amérique là, tel frère j'ai gardé le résultat pour grand conseil municipal dans la ville Brockton. Il y a deux candidats haïtiens américains. Parmi eux, Jean Bradley de Renancourt et Alix Arthur Gaillot. Jean Bradley de Renancourt sorti en deuxième position, ce qui permet lui gagner un siège comme conseiller municipal à l'âge de Brockton. Dans la localité Randolph, Massachusetts, il y a deux candidats haïtiens américains qui ont couru pour conseiller la localité Silla. Dans Pacha Clergé, il a couru pour l'autre mandat. Un candidat Galen Semerzier tape couru pour poste électif Silla. Youn des candidats haïtiens américains pas arrivé passé dans l'élection Silla dans Randolph, Massachusetts. Dans parti non État, Massachusetts là, il y a deux candidats d'origine haïtienne qui tape couru parmi eux. Gerline Alfie Jabouin tape couru pour poste grand conseil municipal dans Everett, dans ville. Lynn, qui est avocate d'origine dominicaine et haïtienne, Natacha Magui Madre, qui tape couru pour poste grand conseil municipal. Gerline Alfie Jabouin arrivé gagne l'élection yo dans ville Everett. Avocate Natacha Magui Madre gagne l'élection yo dans ville Lynn. Dans Peabody, Boukia Chalviré, le candidat haïtien américain qui tape couru en babadien patrie républicaine, pas arrivé gagne l'élection yo dans Peabody. Gwolo résultat, élection mardi 7 novembre 2023, c'est dans ville Boston Téye, grand conseiller municipal, Rudy Lujeune qui tape couru pour un deuxième mandat, arrivé à gagner l'élection yo en première position parmi tous les candidats du conseil municipal yo. Dans le micro, VOA Creole, il était parlé comment le sent-il après victoire Silla. Il est vraiment content qu'il y ait tout ce pour ça, que tout le monde a dit et j'aime la victoire ça, battre pour contre moi, faire avec toute la communauté. Et puis pour ça, moi, je vais merci un peu de monde, merci un peu. Et c'est pour la première fois quatre candidats haïtiens américains arrivés à porter élection dans l'État Massachusetts là. Erlich Dorilas du Boston, Massachusetts, pour la fois de la mairie. On a prêté toujours dans Massachusetts qui lui-même arrivé dans la limite capacité pour accueillir migrants qui n'a nécessité Marie-Louise Pierre. Et oui, ça c'est Miami qu'on y a nous prendre dans Massachusetts avec Marie-Louise Pierre. Abri provisoire Massachusetts yo dépassé capacité yo, yo pa gen cabane pour yo bay famille. Pendant vidéo a continuer, n'a mande pou abonner avec channel là, gens qui va regarder sur écran. Ça fait nous pile plaisir. Et partager aussi bay quelques monde. Ça fait plus plaisir toujours les que partager vidéo nous ensemble avec yon famille, yon amis. On continue. Qui n'a nécessité yo, parmi les migrants qui sont sortis dans quelque autre état et qui arrivent dans l'État Massachusetts. Kounia, l'État pour l'obliger à mettre les familles sur une liste d'attente et à bail moun qui gagne plus nécessité yo priorité. Gouverneur démocrate État, Maura Healey, fixe une limite 7 500 familles pour faire qu'on ait dépassé la limite ça, l'État pas qu'à garantir un abri provisoire encore. Au moins, une organisation qui connaît des migrants, déclarée bientôt mercredi qui se passe, semble que le règlement ça entré en application pendant que l'État essayait de placer une famille dans un abri provisoire. Famille immigrant ça qui gagne la donne 4 mounes, parmi eux, un petit garçon qui gagne 7 ans et une petite fille qui gagne 14 ans. Ils ont passé plus de 6 heures de temps à marcher chercher un abri provisoire avec assistance d'un groupe qui parle pour faire bénéfice et qui est la collaborativa qui basé tout près Boston qui a cherché et des migrants à améliorer santé économique et sociale communautaire à tout monde qui la donne. Premièrement, ils ont passé plusieurs heures de temps à attendre. Et ils ont passé dans plusieurs bureaux l'État à centre médical Boston. Ils ont cherché un abri famille d'urgence, mais ils ont dit yo que l'État est déjà arrivé dans les limites. Augmentation de demande ça arrivé dans le moment où il y a une augmentation de familles migrants qui entrent dans l'État.
moun k'ap défend moun ki sans abri yo, bay avertissement pou di rejeté demain pour bay moun abri provisoire ça, ka forcé kèk nan yo viv nan condition dangereuse. Marie-Louise Pierre, VOA Créole. Merci Marie-Louise Pierre, ou toujours sous VOA Créole. Et nous comptons de ce que vous branchez, et ça fait nous un pile plaisir. Est-ce que non seulement vous branchez, mais vous toujours à l'écoute nous encore, et ça fait nous plaisir, et ça fait nous plaisir encore. Là, vous voyez, message pour vous. Vous souvenez à Créole, nous avons émis depuis Washington DC, et nous avons parlé toujours de immigration et qu'on y a. Question immigration a mené nous dans la ville Brasilia, dans le pays Brésil, avec journaliste Chesley Jean-Baptiste. Département Migration, Ministère Justice et Sécurité Publique lance un nouveau réseau qui porte le nom Rede Nacional de Cidades Acolhedoras, réseau national Vila Queyanyo. Activité lancement ça déroulé dans date 9 à 10 novembre en Brasilia. En présence représentant Ministère Justice, représentant municipal brésilien avec société civile. Dans l'ouverture activité ça, une ordonnance pour créer réseau a arrivé signé. Participants yo te jeta ensemble pour changer l'idée sur quelques problèmes, programmes et actions en faveur immigrants, réfugiés et apatrides. Discuter sur subventions pour préparer plan travail 2024 là. À quoi le ville yo n'a accueilli, intégré et puis élaboré politique en faveur groupe Monsayo. Paolo Iles, c'est coordonnateur général politique migratoire Ministère Justice et Sécurité Publique. Événement ça, c'est lancement réseau national Vila Queyanyo qui vise à faire un bon travail avec la municipalité brésilienne, société civile là pour garantir façon et recevoir les immigrants dans le Brésil. Objectif, c'est bien assister la population. Brian Zelma, coordonnateur politique pour immigrants, dans l'intervention, montre l'importance du nouveau réseau ça gagne pour renforcer la politique migratoire au Brésil. Jodi a nap mete men ap pat la kote nap reflechi sou etap enpòtan yo, an travay sou ansanm direktif ak objektif rezo sa. Daniel Lesimus, ki se prezident asosyasyon Ayisyen k'ap viv Brezil, sali a inisyatif sa e souwete yon plis imigran ki patisipe nan demach sa yo. Se yon aktivite ki vèman enpòtan pou imigran yo, enpòtans imigran yo nan politik publik la, nou konse sa la ede nou anpil. Parce que pile fois des fois le tout le fait jambé rencontre ça yo sans présence immigrant malgré manquer association immigrant ici là pour quantité association immigrant nous connaît qui gagne deuxième mais quand même association des haïtiens du Brésil participer ça veut dire pour bagaille pour communauté haïtienne santé éducation sécurité c'est quelques parmi points qui était sous table discussion yo et responsable annoncé possibilité pour gagner une autre activité comme ça pour l'année 2024, comme venir là. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole. Merci, Chesley Jean-Baptiste. Avant d'aller, n'a pas retourné dans l'actualité haïtienne aux États-Unis. Eh bien, gagné Donald Trump Jr., qui c'est petit garçon, ancien président Donald Trump, jeudi encore, qui était paraît devant le tribunal. On dit qu'il était paraît devant le tribunal déjà dans le commencement et moi. Et ce qui se passe là, il y a la famille Trump, notamment Ivanka Trump, qui paraît devant la justice. Il y a deux frères, Eric Trump avec et Donald Trump Jr., et tout paraît devant Trump et devant la justice plutôt. C'est dans le cas de Yon et procès comme si tu as fait fraude dans la question fiscale, comme si tu as monté tout chiffre que tu as gagné pour te faire magou. Donc son procès qui continue. Mes amis, nous arrivons dans le programme. C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Nous remercions Catherine Rivera qui était avec nous, et puis Abdel Rahman qui était avec nous tout, et puis sans oublier Rob McLean et toutes les autres amis qui t'aident nous mettre chaud ça dans l'air. Merci pour attention, merci pour fidélité. Moi, c'est Jacques Belizer. On va casser rendez-vous pour demain pour un autre rendez-vous info. Donc c'est là que nous mettons fin à la vidéo non pour aujourd'hui. Yon grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça, ça fait nous plaisir en pile en pile. Donc yon une façon capable prouver que vous appréciez travail ça, c'est là que vous quittez un like sous vidéo qui dit que vous remet information que nous souhaitons partager ensemble avec vous dans vidéo ça aujourd'hui. Et là que vous abonnez ensemble avec channel là tout ou dites que ensemble nous capable bâtir yon communauté ensemble et laisse ça ou fait que n'a débordé avec la joie. Donc abonnez-vous et puis activez la cloche là pour capable recevoir yon notification dans main YouTube à chaque fois que nous-mêmes nous poster une nouveau vidéo sur channel là. Et partagez vidéo aussi par yon l'autre ami comme ça lui même tout la capable gagner information dans bon timamite même gens ensemble avec. Donc malgré tout le monde rendez-vous avec nous c'est pour une autre vidéo d'information sur même channel ça.